Seigneur, toquez ma main pour loger de Tolède. Torquemada, c'est moi, monsieur. Ma montre, à chaque instant, s'arrête. Voilà qui va des mieux, voilà qui va des mieux. Or, je suis à votre service, muletier du gouvernement. Connaître l'heure exactement, en conséquence, est mon office. Car chaque jour, à heure fixe, mes mulets doivent sur leur dos emporter les colis postaux. Voyons la montre. Elle est de style. Oui, c'est un bijou de famille. Mon oncle le toréador avait le plus sauvé les cornes de la mort. Aux arènes de Barcelone, alors que le tombeau français. Cette montre en son gousset le préserva du coup de corne. Mais si le monstre par la montre fut arrêté, c'est à présent la montre qui s'arrête. Nous allons donc la démonter. On m'appelle ma femme. Oh, Torre, Torre, qui m'a donné le limitifle char. Et quoi? Vous n'êtes point parti? Les tours de nuit est sans égal. Vous souvient-il plus qu'aujourd'hui? Il faut aller régler comme chaque jeudi. Mais quelle heure est-il donc? Comment? Que voulez-vous? Les horloges, monsieur, on en a plus leur coup. Ce serait à devenir fou. Pour moi, depuis que je vous en réclame une pour ma chambre à coucher, gardez ici ces deux horloges catalanes. Si vous croyez que c'est léger, une horloge est facile à prendre. De force musculaire, oui, vous avez saisi, vous voudrez l'avoir, ou du moins ménager. Vous n'en avez pas à revendre. Mais plus longtemps, ne faites pas attendre des balanciers municipaux. J'ai mes outils, j'ai mon chapeau. Pardon, monsieur, pardon. Je cours, mon cher monsieur, je cours. Vous demeurez jusqu'à mon retour. Voilà qui ne fait pas mon compte. Excusez-moi, je reviens de ce pas. Voilà bien ma chance. Le jour de la semaine, mon époux et moi, l'unique jour de vacances, ne sera-t-il gâté par ce fâcheux témoin? Il faut pourtant qu'avec la signora je cause. Mais de quoi diable lui parler? J'aurais mieux fait de m'en aller, car je n'ai jamais su dire aux femmes des choses. Cette horloge, monsieur, la jugez-vous d'un point tel pour la déplacer, qu'il faille les
Ça, madame, c'est une paille. C'est une coquille de noix. On l'aime ça avec un doigt. C'est de la traite qui courage. Votre chambre. Au premier étage, mais. Je vais l'y porter. Quoi? Vous consentiriez? C'est dit, signora, je m'en charge. Je n'osais pas vous en prier. Il fallait poser. Au contraire, ton bulletin annonce mon cœur un déménageur amateur. Et voilà qui me va distraire en attendant votre mari. Je suis confuse. Cela m'amuse. Tout s'arrange fort bien ainsi. L'escalier est au fond du couloir que voici. Vraiment, j'abuse. C'est moi, signora, qui m'excuse. Je fais si piètre mine, hélas, dans un salon. Les muletiers n'ont pas de conversation. Il est tout temps, voici qu'on s'allume. Cœur battant. Oui, mon ami. Que mélancolique on entend. Le cœur de la blanche, poème. Le minute va devenir dans un instant. Oui, mon ami. Mes voix vont s'achever. Réalisez-vous. La 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 la. C'est le Seigneur que vous en sentez.
Signora, c'est votre plaisir. Je suis tout à votre service. Tant de vous, tant de plaisir. Voilà, c'est celle-ci à l'instant que j'emporte. Ça m'est égal, ça m'occupe. Les muletiers n'ont pas de conversation. Mais non, pas de temps à perdre, là-dedans, vite, il faut entrer. Dans cette boîte de cyprès, de sapin, de chêne ou de cèdre. Oui, c'est faux, je te le conseille. J'attends de votre arrêt l'excès de mon malheur. Ou félicité son pareil. J'ai des déménageurs. Voilà. Maintenant, à l'autre. Celui-ci peut être un peu, je vous préviens, un peu plus lourde. C'est seulement que l'on dirait que ça ballotte. Mais
ça n'en est pas plus ardu. C'est moins le poids, ces objets-là, que le volume. Ah, pour le poids, c'est un fétu. C'est une plume. On porte pas les bras tendus, des fentes jusque dans la cave. Cet homme a des muscles de cuir, mais s'il secoue ainsi Gonzalve, il finira par lui donner. Inutile. Faut-il que vous me quittiez? Le mécanisme est très fragile. Il nous commande de balancier. J'en demande partout à votre seigneur. Évidemment, elle me congédie. Et s'il me fallait écouter les conseils de ma dignité, j'abandonnerais la partie. Cependant, je n'ai qu'une envie. Et cette envie est de rester. Dans ces conjonctures extrêmes, un amour, pensais-je, avec âme, s'introduirait dans un placard. Tant pis, ma foi, si je déroge, je conçois à l'instant le fantasque projet de me cacher dans cette horloge. Ces horloges sont les placards des horlogies. Ma mine posante et sévère à la pauvrette. Conforme à sa galante humeur, dit que nous sommes au contraire dans le fond un petit farceur. Elle revient. Coucou. C'est le déménageur. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Maintenant, elle me demande de venir garder la boutique. Voilà qui est bien compris et pratique. Maîtresse de maison, à chaque visiteur doit assigner un rôle en rapport avec cette façon. Moi, ma façon, c'est mes épaules. Quand je vois ici rassembler toutes ces machines subtiles, tous ces ressorts menus à plaisir embrouillés, je songe au mécanisme qu'est la femme, mécanisme autrement compliqué, s'y reconnaître est difficile. À Dieu ne plaise aussi que
je m'arrange le soin minutieux d'en toucher les ressorts. Tout le talent que m'a donné le sort se borne à porter des horloges. Ça me regarde. À tout à l'heure. Enfin, il part. Dieu, que ces mélodies sont de fâcheux bavards. Coucou. Amusons cette bête. Coucou. Tiens, l'horloge. Coucou. L'allusion est d'où par Saint-Jacques de Compostelle, et le moment est bien choisi pour parler de coucou ici. Let us go.
motif pour traiter ce sujet au vif. Mais prenons car le minutier s'en revient. Ces gens-là goûtent peu les symboles païens. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. M'avoir si gentiment ce laveur ménager, tantôt emménager, tantôt déménager. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Plaisant séjour entre chaque montée, après chaque descente, nul importun par ses discours n'y vient troubler ma quiétude nonchalante. On n'a qu'à se laisser bercer au tic-tac régulier de tous ces balanciers. Et les timbres de ces pendules joyeusement tintinables tout ainsi que par les sentiers muletiers sonnent les grelots de mes mules. Si je devais mon sort changer, n'étais-je muletier, je serais horloger dans cette horlogerie avec cette horloge. L'horloge encore ne fait pas votre affaire. Bon, bien, laissez, laissez, je la vais rechercher. Deux amants, l'amant de tempérament et l'autre de ce poids de nature. À deux pas de l'estravadure. Le temps me tue, me tue, me tue. L'impitoyable aventure. L'un ne veut mettre ses efforts à composer des vers. Grotesque encore de l'horloge, ne sortit rien qu'à l'écorce, avec son ventre en pique-nique brûlant.
pays du Guadalquivir. Chambre, l'autre horloge, si bon vous semble, voire même les deux ensemble. Ce sera comme vous voudrez. Notre ermitage.
contre tout.